C'est vraiment imprévu. Je ne savais pas qu'on aurait une réunion en ce moment. PJ, Oui. n'est-ce pas que tu étais informé à propos de la réunion? Ouais, je savais, mais l'heure, ça m'a un peu surpris. Je pensais que ça allait être plus tard, Assieds-toi, peut-être. PJ, assieds-toi. Je suis là pour des sérieux problèmes, assieds-toi. Ok. Ah. Papa. Ah, papa. 50 millions Negra. Comment peux-tu être irresponsable à ce point? 50 Ah. millions Negra. Juste évaporés dans l'air. Partis comme ça. Peux-tu m'expliquer, s'il te plaît, comment tu as dépensé 50 millions Negra? Papa, écoute, j'ai mis tout cet argent dans un business à côté. Ferme-la. Ferme ta bouche. Quel genre de business? Tu ne peux même pas fonctionner en tant que le directeur de cette compagnie. Maintenant, tu déclares avoir investi ça dans un business? Quel genre de business? Tu crois qu'on est des fous ici? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Es-tu sous la drogue? Papa, il faut vous calmer, hein? Ce n'est pas aussi grave, Et papa, c'est toi? pas ça. Comment t'as permis à ce que cela arrive? Papa, il n'y avait pas moyen que je puisse les stopper. Il a accès au compte de l'entreprise. D'ailleurs, à chaque fois que j'essaie de l'aborder concernant l'argent de l'entreprise qu'il dépense, il devient agressif et incontrôlable. Papa, je ne suis plus auprès de toi plusieurs reprises, mais tu m'ignores à chaque fois. Je lui ai donné le droit de signer les chèques et accéder au fonds en tant que le directeur, parce que je pensais qu'il serait responsable. PJ n'a jamais été responsable avec l'argent. Et tu le sais. Est-ce qu'on peut au moins me laisser expliquer ce que je fais avec cet argent-là? Non! Parce que je sais que tu n'as pas été responsable avec ça. Tu sais quoi? Je te place sous suspension indéfinie à dater d'aujourd'hui. Non mais papa, un papa. Je veux que tu emballes tes affaires parce que ton remplaçant sera ici dès ce lundi. Non, papa, tu n'es pas Je sérieux. suis plus que sérieux. En addition, ton accès au fonds vient juste d'être restreint. Quoi? Tu ne peux juste pas décider comme ça, papa. Oh, vraiment? On verra bien ça. Je vais ordonner à la sécurité de ne plus jamais te laisser entrer ici et cela commence dès ce lundi. Et juste au cas où tu deviens récalcitrant, j'espère vraiment qu'il n'en sera pas le cas. Je demanderai à la police de physiquement te mettre dehors. Si cela n'a Réunion pas de est sens. terminée. J'en ai fini. À cause de toi, les gens me prennent pour une mauvaise. Tout ça, c'est à cause de toi. Maman, tu sais comment papa est. Quand il est un peu fâché, il parle de n'importe quelle manière. Tu le sais, maman. Patrick, tu as 32 ans. Célibataire et sans emploi. Pendant que tes amis sont là-bas derrière en train de travailler dans de très grandes entreprises. Tu es là, assis dans la maison de ton père. En train de manger. Tout ce que tu fais, c'est courir derrière les femmes. Le fait qu'échanger les femmes comme on change de pampex. Pourquoi tu gaspilles de l'argent? L'argent que ton père a gagné difficilement. Le business qu'il a monté pendant des années. Tu dois vraiment avoir honte de toi. Maman, ce que papa et toi devez faire, c'est de me donner une deuxième chance pour essayer d'arranger les choses. Est-ce que tu sais qu'ils m'ont mis en suspension indéterminée, là-bas au bureau? C'est tout? Il aurait dû te chasser de cette maison. Maman, donc tu vas aussi les soutenir à me chasser de cette maison, c'est ça? Oh oui, bien sûr, je les soutiens. Nous t'avons beaucoup gâté. Il est temps pour toi de sortir et d'aller dehors.
te débrouiller seule et affronter les monstres. On verra comment tu vas t'en sortir. Parce que tu t'es déjà habitué au confort de cette maison. Mais maman, dis-moi, si vous me chassez alors de cette maison, où devrais-je aller? Chez un de tes amis. Ces idiots, ces vauriens que tu appelles amis. Tu peux aller rester avec eux, habiter avec eux, ou soit trouver ta maison. Maman, je sais que tu plaisantes. Non, je ne blague pas. Je ne blague pas du tout, je suis sérieuse. Crois-moi, tu dois quitter cette maison et aller chercher ta vie. Va chercher à savoir ce que tes amis font pour trouver de l'argent. Maman... Après avoir gagné ta vie, tu reviendras dans cette maison pour nous dire que tu es devenu responsable. Maman, ce n'est pas comme ça. Écoutez-moi ce qu'il raconte. N'importe quoi. Idiot. Alors tu me demandes de quitter cette maison? Je crois que tu dois quitter maintenant et pas plus tard. Maman. Maman. Es-tu vraiment sérieuse? Tu sais ce qui me fait vraiment mal en ce moment? C'est que mon père se montre sans cœur en tout cas. Et maman, elle le soutient aussi. N'est-ce pas indéfiniment, mec? Tu devrais être content que ton père n'était pas expulsé maintenant. Au moins, tu as toujours la chance d'aller travailler. Les gars, voilà ce qui me concerne. Je pense que le vieux veut juste que tu restes loin de la compagnie pendant un moment. Tu comprends ça? Juste un tout petit peu. Quand sa colère sera finie, mon gars, tu connais le chemin vers le bureau. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que ma mère est en train de vouloir que mon père me chasse définitivement de la maison. Voyons, gars, c'est juste pour te faire peur un peu, je veux dire. C'est juste une petite menace. Elle essaie juste de te faire peur un tout petit peu. Tu es le fils unique, n'est-ce pas? Ouais. Voyons, elle ne fera rien pour te donner ton destin, mec. Voyons, gars. Écoute. Je reviens, mec. Bro, cette histoire me gratte seulement un peu les cheveux. Ne vois-tu pas qu'ils essaient juste de me lasser un peu pour que tu prennes les choses un peu plus sérieusement, tu vois, pour te faire peur, tu vois? Crois-moi, ça marche parfaitement parce que je suis vraiment en train de trembler. Non, sérieux, non, ça marche à la perfection parce que vraiment, tu as très peur. Écoute, hein. Mais je sais que les choses ne sont pas très bonnes en ce moment, mais je ne suis pas supposé avoir peur. Pourquoi? Les gars. On est vendredi. Mike marque un point là. On est censé s'enivrer, boire, nous amuser un peu. Ah oui, tu as l'air bel et bien terrifié, mais sérieux, on est vendredi. Oui, yes. Allez, mon ami, sortons. Aujourd'hui, c'est vendredi soir. Je n'irai nulle part. Que veux-tu dire par tu ne vas pas sortir? C'est vendredi soir, nous devons aller nous amuser. Dalla, désolée, je ne suis pas d'humeur. Tu n'es toujours pas d'humeur, ma bête. Tu rates des belles choses de la vie. Tu sais quoi, Dalla? Certaines personnes préfèrent le calme, rester les soirs à la maison calmement. C'est bon, mais pas aujourd'hui. Je te comprends, mais pas aujourd'hui. Allons-y. Je dis non. Ah, ma belle, on vient d'ouvrir un nouveau bar en ville. Nous devons y aller. La bouffe est gratos. Le vin, la bière, les boissons, c'est gratuit. On y va. Partons. Partons, ma belle. Allez. Hein? Écoute, je veux que tu m'accompagnes parce que j'ai pas envie de me saouler rentrer à la maison avec un gars que je ne connais pas. Tu me connais. Dans ce cas, ne pars pas. Pourquoi ne dois-je pas partir pendant que la nourriture, la boisson, tout est gratuit? Il y a des gars frais, des beaux gosses, des beaux Dalla, gosses. Tu ne vas pas changer. C'est bon, ça suffit, je t'ai entendu. Ça suffit, je le fais seulement pour aujourd'hui.
Hein, Dala, si tu essaies de me présenter au gars, hein, je ne te parlerai plus. Hein, je ne te présenterai pas au gars parce que tu es une vraie tête de bulle. Dégage-toi. Dala, arrête-moi ça. Je ne suis pas une tête de bulle. Qu'est-ce que c'est? Allez, mets quelque chose de chaud, mets quelque chose de sexy. On y va, mon ami. On va s'amuser ce soir. Allez. Oh mon Dieu, ça, c'est ma chanson préférée. Tony, je suis étonnée de te voir ici. Amanda, non, quelle surprise! C'est donc ça la réunion à laquelle tu devais y assister, dis-moi. Amanda, essayons juste de ne pas créer une scène, s'il te plaît. Faire une scène, Tony? Est-ce que tu blagues ou quoi? Tony, tu m'as dit que tu étais occupé. Donc c'était juste pour que tu puisses t'amuser avec ça? Dala? Donc tu avais raison depuis tout ce temps. Tu m'avais dit que Tony m'est trompé. Oui. Regarde-toi. Tu essaies de faire l'innocente ici, n'est-ce pas? Tu es vraiment culotté, Tony. Amanda, je conseille à ce que nous puissions vraiment pas faire ça ici. Sinon quoi, Tony? Que feras-tu? Ok, écoute. Hein? Écoute. Écoutez les gars, ce type que vous voyez, c'est mon petit ami. Plus, madame. Il serait mieux que tu écoutes ce que ton ami t'a dit et que tu partes. Idiot, c'est à moi que je t'adresse. C'est bon. C'est à moi que. Dala, laisse-moi m'occuper d'elle. Allez, Dala. Pardon. Allez, s'il te plaît, écoute ce que je t'ai dit. Bien, j'aimerais proposer un toast. D'accord? Alors que les boissons restent dans nos verres et que les femmes restent dans nos lits. Aïe! Oh, et fort, bro! Levez vos verres, levez vos verres. Allez-y, c'est bon, bro. DJ. Amanda, tu dois te calmer. Je veux dire, regarde-toi. Ces bâtards, cet idiot, ces traîtres. Oh, Seigneur. Tu n'as pas besoin de ça pour l'instant. Je t'en prie, calme-toi. Tonya, il est culot de me regarder droit dans les yeux et me dire que je joue à la victime. Il est culotté, mais comment est-ce qu'il a osé? Je déteste vraiment te dire ça, mais tu l'aurais voulu. Comment? Si toi, mais t'es un bâtard, un tricheur, il n'est pas sérieux et tu le sais. Dala, je l'aime de tout mon cœur. Je sais que des fois, il peut paraître moins sérieux, mais je sais que quelque part, il y a du bon en lui. Ma belle, il n'y a rien de bon chez Tony, mais de quoi est-ce que tu es en train de parler? Il n'y a rien de bon dans son cœur, mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu crois? Je me sens vraiment comme une idiote maintenant. Amanda, ce n'est pas la première fois. Il t'a montré à plusieurs reprises qu'il ne t'aime pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Dala, je suis désolée, j'ai gâché ta c'est soirée. Bon, c'est bon, on te dérange pas, ça va aller. Je suis vraiment désolée, pardonne-moi. Okay. J'avais vu les beaux hommes là-bas, mais... Ne me parle plus des hommes, okay, je les déteste.
Oui, oui. Monsieur Patrick. Votre papa veut vous voir. S'il te plaît, dis-lui que je dors encore. Je lui ai déjà dit ça, mais il a insisté sur le fait que je dois vous appeler. Je m'en vais lui dire que vous arrivez dans quelques minutes. Bonjour, papa. Patrick. Donc, après tout ce qui s'est passé hier, tu es quand même allé dans un club pour boire. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'avons-nous fait de mal? Papa, s'il te plaît, j'ai vraiment mal à la tête, s'il te plaît. Je peux voir que tu n'as aucun remords pour quoi que ce soit. Salut bébé. Va rester dans la chambre là-bas s'il te plaît. Vas-y. Mais c'est pas ça mon nom. Oh, peu importe, vas-y s'il te plaît. Tu ne feras plus jamais ça dans ma maison, à nouveau. Avant la fin de la journée de demain, je m'attends à ce que tu partes d'ici. Tu veux vraiment me chasser d'ici, papa? Exact. Tu n'as pas cessé de manquer de respect à cette maison, en y emmenant toutes sortes de filles stupides. Je ne laisserai plus cela arriver à nouveau. Avant demain soir, je m'attends à ce que tu partes de cette maison, ou sinon je te ferai arrêter par la police pour détournement. Va-t'en. Fou. Ça veut dire quoi ces choses que tu as fait là-bas hier? Je m'adresse à toi, tu me tournes pas le dos quand je m'adresse à toi. Oh, tu essaies de jouer à la silencieuse avec moi, n'est-ce pas? Je m'adresse à toi, bon sang, parle-moi. Arrête de prendre ton thé. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Tu es en train de me chasser, moi? Sors de ma maison! Oh, tu es toujours là? Attends, je reviens. Amanda! Amanda! Salut ma petite sœur, comment vas-tu? C'est comment? Tu je vas bien? Tu viens de commencer? Oh oui, tu peux voir que le magasin est plein. Ça, c'est très bien. En passant, c'est bien de se faire de l'argent comme ça. Tu travailles de l'autre côté et tu as aussi un business à côté. Nous devons chercher l'argent pendant que nous sommes encore jeunes. Oui, ça, c'est vraiment vrai. Bien, c'est bien, mais tu vois, tout cet argent, ça peut chasser les hommes, tu vois. Excuse-moi, si ma fortune intimide un homme, cela veut dire que cet homme n'est pas fait pour moi. Bien, bien. Ah, c'est pas grave. En passant, j'ai besoin d'une faveur. Papa et maman m'ont chassé de la maison. Il faut que je me batte tout seul maintenant. Je te promets que je te rendrai tout ton argent une fois que je m'en sors. D'accord? Mais
t'inquiète pas, je vais te rappeler. Oh, ma soeur. C'est vraiment une surprise. Je ne m'attendais pas du tout à te voir. Oh. J'étais venue te parler de ce qui se passe dans notre entreprise familiale. Je peux voir que certaines personnes m'ont déjà dévancée. Il m'a juste dit que papa et maman l'ont chassée de la maison. Oh. Finalement, il en était temps. Pourquoi tu ne veux pas t'occuper de ta famille? PJ, qu'as-tu fait? Oh, ton frère a gaspillé 50 millions de naira de l'entreprise. 50 millions de naira? Non, c'est exactement tout ce qu'elle voulait pour que je quitte tes entreprises et que je quitte la maison pour qu'elle y reste toute seule là-bas. Tu sais, à croire que maman était très en colère contre papa du fait qu'il ne voulait pas faire de toi le manager de l'entreprise. Juste imagine ce qui aurait dû se passer. Maintenant que c'est toi la PDG et que tu travailles bien, et quoi? Hein? Tu sais quoi, ton sarcasme est vraiment enfantin. Je ne te blâme pas. Tu sais, ce n'est pas facile de quitter le stade de Big Boy d'Abuja pour devenir un sans-abri. Bien, je sais, parce que tu as toujours été jalouse de moi. Parce que nos parents m'ont toujours préféré à toi. Alors, d'accord? Vraiment? Et t'y voilà. Sans emploi, fauché, et bientôt, tu deviendras un sans-abri. Alors, vous savez quoi? Moi, je m'en vais. Je pars d'ici. Je n'avais plus de qu'une aide. Je pars d'ici. Bon. Ah, non, je m'en vais. Attends. Oh. Attends, compteur, tu as parlé des 50 millions de naira. Exact. Oh, s'il te plaît, de grâce, tu ne l'as jamais aimé. Ces gars ne faisaient que te mentir. Ils t'ont monté à tout moment. Mais te voilà en train de prendre sa défense. Mais en disant Dalla... que toutes ces histoires vont passer. Une fois qu'on va se marier, Tony va totalement changer. Comment? Dalla, il n'y a absolument rien de mal en se mariant avec l'homme qu'on aime. Tu n'aimes pas Tony, s'il te plaît. Ça, c'est le désespoir. C'est le désespoir qui te pousse à avoir c'est toujours bon, du bon en c'est lui. Bon. J'ai mis fin à cette relation. Es-tu contente? Je suis contente. D'ailleurs, je dois chercher un très bon plat à manger ce soir. Je suis très excitée. Laisse-moi te dire, ma belle, tu as bien fait. Tu as fait ce qu'il fallait. Une relation brisée est meilleure qu'un mariage avec trahison. Je crois que tu as raison. J'ai raison. Allez, viens, laisse-moi t'acheter de la viande. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu vas manger le soir d'ailleurs? Stupide gars. Tout ce qu'il sait, c'est courir derrière les femmes. Il ne démarre pas du tout. C'est vraiment un idiot. C'est quoi cette bordel? Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Viens mon ami, on y va. Nous irons manger un resto chinois. On va s'amuser aujourd'hui. Allons-y. Monsieur, je suis en train de vérifier mes mails et je n'ai pas trouvé la facture du dernier livraison que vous avez fait. Je ne l'ai pas vue. D'accord, monsieur. Je vous appellerai une fois que je l'aurai. Merci. En tout cas, je crois que monsieur Kena doit virer tout le monde dans son département. Ils sont incompétents et très stupides. Voilà ce qui arrive quand un membre de ta famille essaie de gérer ton business au lieu plutôt d'employer un professionnel compétent. Qui est Tony? Oui, pourquoi ne me laisse pas tranquille? Tu crois que c'est facile pour un prédateur d'abandonner sa victime? Ma chère, je suis à ça, je n'en peux plus. Tu en es où? Je suis à ça. À ça, toi. Je te connais très bien, ces appels te font plaisir. Et tu essaies de me dire que je suis à ça, je n'en peux plus. Toi avec toi, on sait que c'est jusqu'à la gare. Tu ne veux pas comprendre, c'est très compliqué. Seigneur, la facture n'est pas toujours arrivée. Je ne veux plus appeler cet homme, je veux les laisser. Je ne veux plus lui demander.
Oh, fais vite là. Attends. Mec, c'est comment? Mon gars, comment? Ouais, tout va bien. Et comment toi? Sérieux, c'est vraiment toi? Tout va bien. Quoi de neuf chez toi? PJ, ça fait vraiment longtemps. Quand est-ce que tu es arrivé? À peine, je viens d'arriver maintenant. Oh mon gars, tu as l'air en pleine forme. Merci. Mec. Merci. Dis-moi, tu viens de Abuja ou bien tu, on peut dire tu viens de quelque part, c'est ça? C'est comment chez toi? Attends. C'est quoi ça, non? Chez moi ici, on ne fume pas. Attends, t'es sérieux, regarde. Mon gars, viens, oublie ça. PJ, hey, mon gars. Viens à l'intérieur, hein. Ah, tue-moi, bro. Tue-moi, tu. Juste là. Et alors, tes gars, là, comment est-ce qu'ils se font appeler déjà les meilleurs gars? On peut arrêter, s'il te plaît. Non, on peut arrêter, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas mes gars. Quand j'ai été chassé de ma maison, de chez mon père, je cherchais où aller vivre. Mais ils n'ont pas arrêté de me faire des tours. Peux-tu même imaginer qu'il y a l'un qui a eu l'audace de me dire que la propriétaire de chez lui a dit non au squatter? Tu imagines? Parti côté Junior, PJ. Hey, ça fait mal. Tu sais, un squatter. Je vois, cela, ça fait vraiment très mal. Mais tu n'as non, pas non, à les non, blâmer, non, mec. Écoute, bien sûr que je les blâme. Pourquoi? Parce que je t'ai généré avec eux. Je ne leur ai menti rien d'autre que l'amour. Mais quand tout ça est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait quand les temps durs me sont arrivés? Quel temps dur? Allez, ferme ta bouche, là. Tu sais qu'on appelle temps dur? Sérieux, je te jure, mec, c'est parce qu'ils me sont levé de bonne humeur. Hein. Moi, de toute façon, j'ai souffert par-ci, par-là, mais balader sur les rues, entrer dans les maisons pour chercher à manger. Est-ce que tu as déjà fait ça, toi? Est-ce que tu sais ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait, ça? Qu'est-ce que tu as produit? Tu devrais plutôt dire qu'on t'a coupé ton argent gratuit, oh. C'est très différent. C'est très différent. Sérieux, qu'est-ce qui t'est arrivé, mec, pour de vrai? Tu es mon gars, pour de vrai. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu étais toujours brillant à l'école, tu étais toujours le premier de la classe. J'étais toujours envié, mec, j'étais toujours... Tes parents, mec, ils sont en train de vouloir faire quelque chose pour toi et je crois qu'ils sont déjà en train de faire ça. Oh. Il s'agit de toi, mec. Qu'est-ce Est-ce que tu penses que je ne me suis pas battu assez pour cette situation-là? Tu t'es pas battu assez, mec. Voilà qu'ils t'ont mis à la porte comme ça, juste comme un vrai chien. Ton papa a beaucoup d'argent, mec. Beaucoup, et ça, on le sait, mec. Si mon père avait un iota de ce que ton père a comme argent, je ne serais pas ici. Je le jure devant Dieu. Je ne serais pas ici. Non, mais regarde ce que j'ai ici, non? Ça ne vaut pas tant que ça, mec, mais regarde. Hein? Tout ça a été fait par moi. Fait par moi-même. Personne ne m'a aidé. Quoi? Ah, je l'ai fait moi-même, mec. Personne ne m'a aidé. Très bien. Peux-tu me rendre l'argent que je t'avais prêté? J'aime ton sac, s'il te plaît. Ah, je vais monter là-bas, aller garder mes affaires. Ça te va? Oh, sérieux, vas-y, tu m'as eu, mec. Sérieux, vas-y. Mec. Oh, je pars. Bébé, je suis actuellement venu pour m'excuser pour ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Ne vois-tu pas que tu vas un peu trop loin avec tout ça? Tu dois m'écouter, s'il te plaît, chérie. Tout ça se basant sur ce que tu as vu l'autre jour. Je n'ai rien à voir avec cette fille. Et elle a un faible sur moi. Elle a voulu que nous puissions avoir un rencard juste une fois et puis elle irait mieux. C'est ce pourquoi j'ai fait ça. Tony, ça m'est complètement égal. Bébé, tout ce que j'attends de toi est que tu puisses arrêter de m'appeler et de me faire des messages à tout moment. Est-ce que c'est trop demandé? Ou soit que j'appelle la sécurité pour te mettre à la porte? Mais bébé, pourquoi est-ce que... Laisse-moi tranquille. Et quant à toi, Laïdé, je ne veux plus voir cet homme dans ses bureaux. Est-ce que je me suis fait comprendre? Ne laisse plus jamais cet homme entrer dans ses bureaux, ok? D'accord, madame. Ça ne se produira plus. Très bien, pas de problème. Va-t'en. Je m'en vais. Mais je veux que tu saches que je n'arrêterai pas de t'appeler au téléphone. Nous sommes faits pour être ensemble et tu dois comprendre cela. Merde. Carlo a écrit une lettre. À l'intérieur d'une lettre. PJ, tu connais encore cette chanson? Ah, l'alcool. PJ. Le matin comme ça. Mais qu'est-ce que tu as comme ça au juste? Il n'y a rien, mon cher. Viens avec moi, non? Viens avec moi au bureau pour voir ce que l'investissement est en train de faire. Non. Je ne suis pas d'humeur. Chaque fois que je croise mes mains comme ça, je me sens un peu sale. Je ne pense pas que ce soit vraiment mon truc en ce moment. Allez, arrête avec ce que tu fais là, non? Arrête ça. Pourquoi est-ce que les gens, quand ils ont une grande famille, il faut toujours qu'ils puissent en faire tout un tas, hein? Mais moi, je veux que tu viennes avec moi maintenant. Je veux que tu viennes avec moi au bureau maintenant. Allez, je t'en prie, viens voir moi ce que je fais, non? Une autre fois, mec,
Juste le temps de rebondir de ma dépression. Mon cher, si tu vas jouer au triste éternellement ici, alors s'il te plaît, appelle tes parents comme ça, ils vont te ramener. Et tu penses que je n'ai pas essayé de faire ça? Mon père m'a bloqué. Non, tu plaisantes. Ton père n'a pas fait ça pour de vrai. Ouais. Je fais de bêtises d'innombrables fois. Il en a marre. J'ai même essayé d'appeler ma mère. Mais elle était vraiment très froide avec moi au téléphone. Mais tu sais, je ne peux pas les blâmer. Rebecca. Je ne peux pas. Je veux dire, j'ai fait de bêtises plusieurs fois. Alors, tu penses que boire toute la journée, t'enivrer, va les convaincre que tu as réellement changé? Je te parle et tu continues de prendre de l'alcool malgré ça. Je n'ai pas de bar ici. Oui, mec, je sais. Je n'ai pas d'argent comme tu penses que j'ai de l'argent. Attends, laisse-moi t'aider. Fais voir, je vais t'aider s'il te plaît. Attends. Tu veux finir tout mon alcool? Mon gars, mon papa n'a pas d'argent comme ton papa. Tu comprends ça? On est un mauvais jour. Ton père peut se réveiller et te donner 4 millions. Et on est un bon jour, voilà qu'il ne te donne rien du tout. Alors je garde au moins ce que j'ai ici pour célébrer, ok? Et je ne te laisserai pas t'enivrer dans ma maison. Bonjour madame, ce cadeau est à vous. Oui monsieur, je viens d'arriver au bureau, donnez-moi le temps de vérifier. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, désolé, je vous rappelle. Oui. Allez, raconte, qu'est-ce qui se passe? Devine. Tony? Oh! Ma chère, c'est vraiment impensable. Es-tu sûr que ce gars n'a pas trouvé un prophète qui lui a dit de se remettre avec toi parce que tu as un bon boulot? C'est son problème, je dois lui remettre son cadeau. Arrête, tu ne feras pas une telle chose, dégage, arrête! Tu plaisantes. Après tout ce qu'elle t'a fait endurer, tu veux lui remettre ce flair, mais ça ne se fait pas. Tu veux faire quoi? Allez, mais pourquoi? Mais Dalla? Oui. Et pour l'argent que je viens de te demander il n'y a pas longtemps, est-ce toujours possible? Très bien. La vérité est que je vis chez mon ami ici à Lagos. Je suis vraiment désespéré, s'il te plaît. Cette vie de cohabitation n'est pas faite pour moi, s'il te plaît. Écoute, je suis dans une situation très difficile. Mais je ne peux pas me compromettre jusqu'à ce point-là. Je préfère encore mourir que de continuer à demander comme ça, tu comprends? Oh, maman ne répond pas à mes appels. Oui, bien sûr. Merci. On va parler, ok.
Tu sais que j'adore ça. Oh mon Dieu! Oh, Tony. Oh, ma chère, tu sais quoi? Ces derniers, tu es devenu romantique. Donc, ces jours-ci, il te traite bien, il te gâte. Il ne m'achète que des choses que j'aime. J'aurais vraiment voulu qu'il puisse être romantique comme ça quand nous étions ensemble. Ne sois pas naïve. Les léopards ne changent jamais sa pelage. Et si cette fois-ci, il a changé pour de vrai, ne me dis quand même pas que tu tombes déjà dans son piège. Je réfléchis et je me dis que, et si cette fois-ci, c'est vrai? Je te connais. Si seulement tu te mets à réfléchir, tu vas accepter de te remettre avec lui. Je te connais très bien. Ma belle, tout le monde mérite une seconde chance. Mais pas quelqu'un comme Tony. Je peux te donner la raison pour laquelle il veut se remettre avec toi. C'est pour qu'il puisse te larguer. Avec son ego, il ne peut pas accepter que tu puisses le plaquer en premier. Oh, sois la bienvenue, mon amour. Comment est-ce que tu vas? Merci. Merci infiniment d'être venu. C'est un très bon whisky, tu vas l'aimer. Je l'espère aussi. Oui, en voilà juste un tout petit peu pour moi. Ok, attends, s'il te plaît. J'aimerais porter un toast pour nous. Un toast pour nous, pour le fait qu'on passe à travers les intempéries, les turbulences et les moments difficiles. Et à notre unité aussi, qui doit être tricotée. Soudé à l'amour et à la confiance. Oui, et je vais saisir cette opportunité pour te dire que je suis sincèrement désolé pour ce que j'ai eu à te faire. Les peines, les douleurs que je t'ai causées. Je suis désolé. Tu es pardonné, bébé. Merci, mon amour. Allez, trinquons. Bien, tu sais, Charles, je t'en supplie, essaie d'arriver là avant le charpentier, je t'en prie. Ah, ok, c'est d'accord. Alors, BJ, désolé, BJ, tu disais que tu... Reconnais seulement que tu es déjà ivre. Arrête de déformer mon nom comme ça. Idiot. Alors, mon gars, compte tenu tout ce que je suis en train de traverser, j'ai beaucoup réfléchi ces deux derniers jours. Et j'ai pensé à quoi faire. Je me suis demandé si c'est encore possible de retourner dans l'entreprise de mon père. Et? Alors, la première idée était de commencer un business. Mais le problème est que je ne sais pas quel business je vais finalement faire. Et même si j'identifie quel business je vais faire, je n'ai même pas l'argent pour le financer. Alors, j'ai décidé d'aller chercher un boulot. Mais ce n'est pas amusant. Hein? Bien sûr, ça ne l'est pas. Oh. Chercher un boulot, c'est difficile. Ha. Mais je t'ai dit, mec, j'ai essayé de chercher partout, mais personne ne m'a appelé, personne ne m'a rappelé. Bro, tu vois ce gars devant toi? Le truc, c'est que est-ce que tu vas donner à fond comme il faut que tu le fasses? Je vais donner un exemple, genre, pour qu'on vous prenne dans ce boulot, vous devez faire juste ceci. Et bien sûr, tu l'acceptes. Et après, tu remarques que tu as un salaire de 40 000, genre 50 000. Est-ce que tu vas continuer à travailler? Non. Aucun problème. Je n'ai pas de choix à faire en ce moment. Je l'accepterai si je trouve un travail maintenant, là. Bah, dégage de là. Je suis sérieux. Hein? 50 000. Avoir 50 000 dans ma poche, c'est mieux que d'avoir rien du tout dans ma poche.
Tu sais, si j'ai 50 000 dans ma poche, je peux parfois acheter des unités pour appeler mes parents, les supplier de me rappeler à la maison. C'est encore mieux. Alors imagine que j'ai ce travail qui me donne 50 000 chaque mois. Et j'en parle de manière aléatoire avec ma petite sœur. Et cela va quand même leur montrer que je ne suis pas paresseux et que je ne suis pas un homme qui ne fait rien du tout. Arrête. Oh oui, regarde, je comprends. C'est bien ça. Il s'agit de. Oui, je vois, tu as raison. Ah, d'accord. Bonjour, ma chère. Comment est-ce que ça va par là? Bonjour, bonjour. Tu sais que le visiteur n'a pas le droit d'entrer jusqu'ici. Tu le sais. Il est le nouvel assistant opérateur. Oh, il n'en a pas du tout l'heure. Il a l'air cher. Vous savez, ces vêtements. Je les ai empruntés de mon ami. Beau! Oh, je n'avais pas à le faire. Ces filles vont bientôt pourrir ici. Mon nom est Amanda et elle c'est Dala. Alors, c'est quoi ton nom, monsieur? Heureux de te connaître. Heureux de te connaître, Amanda. Enchanté, Dala. Je suis Patrick. Je m'appelle Patrick. Ok. Monsieur Patrick, bienvenue à BTI Entreprises. J'espère que vous serez ravi de travailler avec nous. Oh oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Dala, c'est un très bon prénom. J'aime bien. Merci. Il n'y a pas de quoi. J'adore ta veste. Sentez-vous à l'aise. Merci. Bien que ce ne soit pas moi. Ces gars, son visage m'a vraiment l'air familier. Très familier. Ressemble-t-il à quelqu'un que tu connais? C'est juste que je ne me rappelle pas. Amanda, est-ce que je peux venir avec toi dans ta voiture, s'il te plaît? Non, oui. Allons-y, ne suis pas Dala. C'est une sorcière. Madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux monter aussi? Oui, hey, c'est pas grave. Toi, elle est visible. Elle accepte n'importe qui, en tout cas. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Dala. C'est pas vrai. Oh! Ah, tu es de retour. Mon cher. Quoi de neuf, mec? Tu as l'air de provenir d'une jungle, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Mec, c'est le travail. Le travail, c'est le travail. J'espère juste que tout va bien, mec. Est-ce stressant? Mec, en fait, c'est plus que stressant. En fait, je parle du vrai travail. Sans compter le travail, aller comme ça. Aller de gauche à droite, c'est vraiment fou. Mes jambes me font vraiment peur. Oh, je vois. Maintenant, je comprends pourquoi les femmes sont fatiguées pour le travail. Et pour l'embouteillage, alors? Toi, tu appelles ça embouteillage? C'est tout un bloc, ça. Non, ça n'a pas de sens. Comment vous arrivez à vous débrouiller dans cette ville? Vous soufflez seulement vos poussins de gauche à droite comme je ça. Je vois. Je sais que tu dois avoir faim, alors j'ai préparé quelque chose. Il y a la nourriture là-bas, dans la cuisine. Oh, mec, j'ai besoin de cette nourriture. Mais pour l'instant, il faut d'abord que je prenne une bonne douche. Sérieux, parce que tu sens vraiment. Emeka, je te promets, une fois que je serai investi dans ce travail-là, je vais donner à tout travailleur des bas niveaux une augmentation. Tu vois ce que je t'avais dit là, n'est-ce pas? C'est 40, c'est 50 000, ce n'est rien du tout. Tu as vu comment ils souffrent là-bas? C'est quelque chose. Ah, je sais, tu vas souffrir, mec. C'est quelque chose. Continue comme ça, tu vas en avoir marre au fil. Je veux me débrouiller. Ça, c'est pour vous, madame. Oh. Ouf.
merci. Il n'y a pas de quoi. Est-ce que ça c'est le projet dont vous m'avez parlé autrefois? Oui. Ok. C'est comme si cette entreprise a des gros clients. Bien sûr qu'ils le sont. Voilà pourquoi tout le monde fait de son mieux pour répondre aux besoins du client. Je vois. Chaque membre de cette entreprise travaille très dur. C'est impressionnant. Oui, tout le monde travaille dur et surtout maintenant que l'entreprise a un nouveau manager. Nouveau manager? Oui. Le fondateur de cette entreprise était mort il n'y a pas longtemps et il l'a légué entre les mains de son fils. L'entreprise a passé des moments difficiles, mais maintenant ça va. Qu'en est-il de Dalla? Elle ne vient pas aujourd'hui ou bien elle a... Elle viendra sûrement. Salut les gars. Bonjour Dalla. Qu'est-ce que vous faisiez? J'ai raté un épisode. Est-ce que tout va bien? Oui. C'est pour ça que je préfère sortir tôt le matin. Il y a quelque chose avec toi que je ne comprends pas. Suis-je la seule à le remarquer? Non, t'es pas la seule. Non. C'est que mon ami possède un business. C'est pourquoi je partage ses affaires. C'est quoi le nom de cet ami? Meka. Est-ce qu'il a l'argent? Ça dépend de quel niveau d'argent vous parlez. Tu le sauras bientôt. Et Meka, oh. Hey, ça va? Oui, c'est bon. PJ, vas-tu venir avec nous? Ah non, il faut que j'aille voir un ami à moi. En tout cas, je dois déjà partir. Merci. D'accord, pas de problème. Je pense que nous allons nous voir demain. Ok. Au revoir. D'accord. Bon, je vous laisse. Bon. Au revoir, bonne soirée. C'était quoi ça? Quoi? Ça veut dire quoi? Dis-moi, c'est quoi cette soudaine attirance avec ces gars? Ne penses-tu pas qu'il est occupé? Oh, PJ. C'est mon collègue. Il est nouveau et gentil. C'est quoi le mal d'être gentil avec une personne qui est gentille avec moi? Excuse-moi, une petite correction, c'est ton jeune collègue, s'il te plaît. Alors? C'est pour ça que je ne peux pas être gentil envers lui? C'est ça le problème avec toi. Tu es très gentil! Dès qu'une personne essaie de sourire avec toi, tu lui montres toute ta dentition. C'est pour ça qu'il prend de l'avantage sur toi. Ah. Dalla, mon ami. La gentillesse n'est pas quelque chose qui se vend. Ça se donne gratuitement. C'est pour ça que je t'ai dit, sois prudente. Et surtout avec lui. Ne sois pas trop gentille, du genre trop souriante. Tu comprends? Est-ce que je veux dire? Oui, madame. Alors, pouvons-nous partir? Oui, patronne, j'ai entendu. On n'a pas de temps. Oui, madame. Oui. Rassemble tes affaires et partons. Je le fais. PJ, peux-tu venir avec nous? Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu ne prends pas ton petit-déj? Ça suffit. Oh, ça suffit. Et pardonne-moi de ça. Alors, ça va? Vas-y, détends-toi, chérie. Amanda, est-ce que je peux... Est-ce que tu peux quoi? Laisse tomber. Dalla, attends. Dalla! Bébé? Je crois qu'elle est fâchée contre moi. Pourquoi serait-elle fâchée contre toi? Est-elle ta babysitter? Elle est ma meilleure amie. Et voyons, bébé. Tu sais, tu dois finalement prendre le contrôle de ta vie et la laisser en dehors de tout ça. Ok? Voyons, elle constitue d'ailleurs une très mauvaise influence pour toi. Je sais, c'est ma meilleure amie. Elle a toujours veillé sur moi. Alors pourquoi suis-je là, moi? Je suis là pour veiller sur toi et je suis là pour prendre soin de toi. Comment peux-tu vouloir que quelqu'un d'autre le fasse pour toi? Allez, viens. Écoute, allez. Allez, calme-toi, s'il te plaît, chérie. Tu es mon bébé, non? Hé, hey, mec. Comment ça va? Très bien. Mec, il y a une fille là-bas au travail. Elle...
Je ne sais pas. J'ai l'impression que... qu'elle me veut. Tu recommences encore. Ces gens de filles sont habituels pour toi. Elle me regarde comme si... elle sait qui je suis réellement. Arrête avec ce genre de filles bizarres, mec. Tu ferais mieux de la laisser, mon chat. Je n'ai pas couché avec cette fille. En fait, non. Son nom est vraiment unique. Dala. Et sa personnalité est vraiment affectueuse. Le libido, c'est ce que tu as fait maintenant ou c'est ce que tu as fait qui fait en sorte que tu l'attires? Oui, ça c'est vrai. C'est vraiment ce qui se passe. Elle parle de mon parfum, la manière dont je m'habille, ma montre, mon bracelet. Voilà, tu te sens comme un grand garçon, genre que tu es chanceux. Oh. Voilà pourquoi je ne me mêlerai pas de tout ce que tu es en train de faire là. Un point important. Mais tu sais quoi, ce que je dois faire maintenant, c'est que je dois changer ma garde-robe. Pourquoi? Pourquoi veux-tu dépenser de l'argent, non? J'ai beaucoup de chemises pour toi si tu fais toutes les porter. Tu as ce dont tu as besoin, alors pourquoi est-ce que tu veux changer ça, hein, ouais, mec? Ouais, tu as raison. C'est hein? Ce que je ferai. C'est ce qui était plus grand que toi-même. Ouais, c'est ça. Va te faire voir, mec. Ah, très important. Mais je vois que ça ne marchera pas parce que je l'avais déjà dit que j'ai porté tes affaires, tu vois. Ah, ah, sérieux, mec. Te dis pas à ces filles que j'ai de l'argent. Ces filles sont vraiment des filles très bizarres. Garde un profil bas. Montre-leur que tu n'as rien du tout. Tu sais ce qui est bizarre? Au fait, j'aime vraiment travailler là-bas à Brixville. Et j'aurais vraiment honte s'il savait seulement qui j'étais. Son nom est Sweet V. Elle s'appelle Dala. Mais qu'essaie de retenir? Qui est Sweet V? Ah, c'est l'entreprise pour laquelle je travaille. Bien sûr, je sais. Qu'est-ce que tu crois? Dala, as-tu jeté un œil sur ces dossiers? Non. Ok, j'attends toujours que tu me fasses parvenir le compte rendu de la réunion précédente. Avant de poser de questions, il serait souhaitable que tu vérifies tes mails. Ok, demain à la première heure, ce que tu feras, c'est analyser ces dossiers, ensuite tu me diras quoi, ok? Ok, tu dois aussi mettre le page en ordre. Ok, pas de problème, madame. Madame, est-ce que vous avez conduit aujourd'hui? Désolée, mon petit ami viendra me prendre. J'espère que vous pouviez me déposer. Oh, mais tu peux toutefois partir avec Dala. Dala, tu peux déposer PJ. Vas-tu venir avec moi ou pas? Je sais. Je vais au couteau du bout. Donne-le-moi, vas-y. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonne soirée. J'ai fini. Le repas est servi. Tu sais très bien que j'avais prévu de sortir avec toi. Tu sais que je n'avais pas prévu de faire la cuisine aujourd'hui, donc j'ai commencé tout à zéro.
Mais tu savais que je devais venir te prendre au bureau. Mais tu es parti bien plus tôt que prévu. Voyez-moi, c'est lui qui parle. Tu étais censé venir me récupérer au bureau et m'amener au resto à aller manger. Mais non, tu n'étais pas venu, je suis rentrée rapidement à la maison me faire quelque chose à manger. Tu devais quand même apprécier cet acte. Voyons, allez. Chérie, ah, tu prends toujours tout personnellement. Je plaisantais un peu. Pas la peine d'en faire un tas. Allez. Allez. Oh. C'est le genre de blague qui ne me plaît pas. Je suis désolé. Je suis désolé, chérie. Ne commence pas d'abord à manger, chérie. Attends, je pars à la cuisine récupérer quelque chose et je reviens. Ah, voyons, bébé, tu sais pas à quel point j'ai vraiment faim. Et tu veux que je me mette là à t'attendre? Attends, s'il te plaît. Eh bien, sache que quand tu reviendras, tu me trouveras en train de manger. Allô? Allô, bébé? Écoute, je suis dans une réunion privée. Tu peux te rappeler, s'il te plaît? Ok. Ouais, bien sûr, je te rappelle. D'accord. Ok, bien alors. Ok, d'accord, je t'aime aussi. PJ? Ouais. S'il te plaît, peux-tu m'aider à aller déposer ceci au bureau du manager? Oh, d'accord. Très bien. Tu me dois un déjeuner. Et n'essaye pas de me demander pourquoi. Aucun problème. Merci. Il n'y a pas de quoi. Dalla? Oui. Pouvons-nous discuter? Oui, pourquoi pas? Je t'en prie, ne t'énerve pas. C'est à propos de Tony. Ah, non, s'il te plaît. J'ai pas envie d'entendre ça. Dalla, s'il te plaît, écoute-moi. Je n'ai pas envie, écoute, je ne suis pas intéressée. Ok? Nos discussions désormais ne seront que professionnelles et rien d'autre. On ne peut quand même pas en arriver là. Nous devons vraiment en arriver là, parce qu'à chaque fois que tu as le cœur brisé, c'est sur mes épaules que tu viens pleurer. Mais tout soudainement, tu t'es remis avec lui. Après tous mes avertissements. S'il te plaît, ne m'implique pas là, dis donc. Dalla, je sais, je savais que tu serais énervée. Mais qu'est-ce que tu crois? Qui t'a dit ça? Je ne suis pas énervée, ce n'est pas mes affaires. Ok, je ne vais juste pas être ton roue de secours. Je t'en prie. Oh, Seigneur, c'est quoi cette bordel? Tu sais vraiment gâcher la journée de quelqu'un. Ah. Amanda, Dalla et toi, vous vous êtes disputés. Ne pense pas à ça. Amanda, tu es encore là? Amanda, des affaires vers la maison, il est déjà 20h passé. Que fais-tu encore là, PJ? Je défie Philippe à faire un comptage de l'autre côté là-bas. Il me doit un peu d'argent. J'ai passé une dure journée aujourd'hui. Je sais. Tous ces dangereux besoins maintenant, c'est prendre de la bière ou encore pleurer.
et tout dégager. Tu sais quoi? Si tu emballes maintenant, je peux t'acheter une boisson, tu vois. Mais pour un endroit où pleurer, je ne peux pas t'aider. C'est tout ce que je peux faire. D'accord? Ok, je le fais tout de suite. D'accord, très bien. PJ, j'ai vraiment été stupide. D'ailleurs, une idiote. Ne dis pas ça. Oui, laisse-moi dire cela. Parce que Dalla m'interdisait, il me conseillait, mais je n'ai pas voulu l'écouter. Non. J'étais très occupée en accordant à cet idiot une seconde chance. Bien. Et pourquoi ne la mérite-t-il pas? C'est comme ça que ça s'est passé. Jusqu'à ce que je réalise qu'on ne peut pas accorder une seconde chance à un idiot. Oh oui. Tony est la raison pour laquelle il a toujours été dit... Brûle ton ennemi avec du feu pour qu'il ne puisse plus jamais se relever. Quoi? Je suis sérieuse, ok? Je pense que je t'ai un tout petit peu dupé, hein? Je veux bien. Je ne pense pas que la chose soit la richesse. Je pense qu'il s'agit plutôt de comment on arrive à voir les choses nous-mêmes, les choses qui nous arrivent dans la vie. Tu sais, peu importe. Le sorcier, le démon. N'est-ce pas qu'ils sont pareils? Est-ce que tu comprends ça bien? Tony ne m'a jamais traité avec respect. Il ne faisait que me mentir. En sortant avec d'autres filles. Je pense que Tony est content à chaque fois que je fais des dépressions. Ah, écoute. Que fais-tu encore avec lui? Que fais-tu encore avec lui? Non. Je pense que je me sentais en insécurité parce que je me disais que Tony était le meilleur homme au monde. C'est pour ça. Je comprends un peu. Doucement, 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 doucement. Allez, ça va, laisse-moi. C'est bon, viens, doucement, viens là, doucement. Attends un peu, il faut que je verrouille rapidement ici. Hé, c'est ici que je passerai la nuit. Dalla habite juste à l'appartement voisin. Ok. Et pourquoi tu me dis ça? Parce que je sais que tu l'aimes. Qu'est-ce qui te fait croire que moi j'aime cette fille? Parce que tu parles toujours d'elle. Hein? Madame, de quoi tu as besoin? Comme ça, je vais le chercher. J'ai besoin de boire de l'eau. Mais avec l'eau, tu seras encore plus sourd. Allez, j'ai besoin de boire de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Dalla, désolé. Qu'est-ce que tu fais là? L'été ivre ne pouvait pas conduire, alors il fallait que je le ramène à la maison. Dalla, je t'aime. Je sais que des fois j'agis comme une idiote. Écoute, je ne t'aime pas et je ne t'ai pas pardonné. Pourquoi ne pas l'emmener dans sa chambre?
Ouais. Mes chaussures. Tu es toujours là? Oui, j'attends mon taxi. Ok. J'étais dehors et je t'avais vu quand tu entrais à la maison avec elle. Je savais que ce n'était pas Tony et je ne savais pas aussi que c'était toi. Je pensais que c'était juste un inconnu qui l'avait tué et était venu déposer son cadavre. Sérieusement, les imaginations que tu as sont vraiment étranges. Tu le sais bien. Bon, je peux quand même ne plus rester ici. Parce qu'il y a son petit ami qui triche et toi, son meilleur ami, peux rester ici. Tony l'a encore trompé? Oui. Oh oui, Dieu, c'est pas vrai. Il est en train de sortir avec une autre femme. Oh, Seigneur, c'est pas vrai. Mais cet homme était un animal, c'est une bête. Pourquoi il mène une telle vie alors? Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Oui, je comprends ça. C'est bon. Je comprends. Mais attends. Allô? Ok, oui, je sors dans quelques secondes là. Merci. Bon, je m'en vais. D'accord. Mais sinon, j'aime bien comment tu es porté tous avec elle. Je pense que nous avons tous besoin d'amis comme toi dans la vie. Bonne nuit. Bonne nuit. Veille sur elle. D'accord? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, avale tout. Mais pourquoi tu le prends de cette façon? Hein? Dalla, Dalla, tu prends, sais que je n'aime allez, pas l'été. Tu n'as pas d'autre choix. Prends. C'est très chaud. Désolée. Désolée. Bois, ça va t'aider. Merci, Dalla. Merci pour avoir passé la nuit avec moi. Honnêtement, je ne mérite pas ton amitié. C'est vrai, t'as raison. Tu ne la mérites pas du tout. Je suis désolée de ne pas t'avoir écouté. Tu avais raison à propos de Tony. Je pensais que je devais lui donner un bénéfice des doutes. Ma belle, je te disais à maintes reprises que ces gars n'étaient pas sérieux. Babe, peux-tu dire à ton ami de dégager le passage, s'il te plaît? Tony, sors de ma maison! Parfait. Mais qu'est-ce qui te prend, là? Sors de ma maison, Tony! Jésus, mais regarde-toi. Que penses-tu que tu es? Une détraquée mentale comme toi? Tu penses que je peux tolérer ce genre d'agissement sur moi, bordel? Ok, 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 mais si c'est bon, tu as assez parlé, tu peux partir? Hey, et pour vas-y, toi? Vas-y, dis-le! Non, ne te gêne pas, vas-y, parle. Si tu essaies de me manquer du respect, j'en finirai avec toi. Je m'occuperai bien de toi. Oh, donc c'est parce que tu as ces petits trucs entre les jambes que tu penses que tu veux parler à n'importe qui, n'importe comment? Regarde, c'est moi, je ne suis pas Amanda. Je vais m'occuper de toi, je te remettrai à ta place. Voyez-moi ces pauvres misérables. Allez, sors d'ici. Disparais! Tony, pars! Pars! Je n'ai rien à te dire à toi. T'as raison, tu ne peux qu'avoir je rien peux à me dire. Je ne peux voir une prostituée en toi. C'est ta mère que tu parles, Tony. C'est ta mère que tu parles, pauvre idiot. Tu vas le regretter, tu verras. Dégage, disparais, pauvre idiot. Escroc. Misérable. Mais regardez-les. Juste à cause de cette petite carotte que tu as entre les jambes. Je ne sais pas pourquoi tu avais accepté de sortir avec ce type. Mais pourquoi pleures-tu? Mais pourquoi? Il n'a même pas un concombre. DJ? Ouais. Je tenais sincèrement à te remercier pour ce que tu avais fait pour moi hier soir. Je me sens vraiment gênée pour avoir pris de l'alcool. Mais tu as été très gentil envers moi, tu as écouté toute mon histoire. Tu m'as ramené à la maison en toute sécurité.
Je t'en dois une. Non, Amanda, le dîner ou le déjeuner, on peut le faire pour ce week-end. Le déjeuner ou le dîner? Chez moi ou chez toi? Ça va devoir être chez toi. Mon ami aura ses invités à la maison, alors il faudra leur donner un peu d'espace. Alors s'il te plaît, chez toi. Dans ce cas, tu passeras chez moi le samedi matin pour le déjeuner. Très bien, merci. D'accord, je t'en prie. Très bien alors. As-tu un plat spécial que tu aimerais que je le fasse pour toi? Lasagne. La quoi? Lasagne. Oh, s'il te plaît, c'est encore quoi ça? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Maman, quoi? J'avais causé avec PJ. À quand vraiment la dernière fois que tu l'avais vu? Le jour qu'il avait quitté la maison. Allez, maman, ça fait déjà 2 mois. Patrick est gâté. J'admets, c'est moi qui le rendis comme ça. Je n'irai pas le chercher. Je ne veux pas qu'il tire encore une fois avantage de mon amour. Il doit se débrouiller. Maman, écoute, je ne suis pas là pour te culpabiliser. Écoute, j'ai une bonne nouvelle. Laquelle? Une nouvelle qui te rendra fière de lui. Qu'a-t-il fait cette fois-ci? Rien du tout. Patrick est à Lagos et il a trouvé un travail là-bas. Il est à Lagos avec qui? Ah, il m'a juste dit qu'il est chez un vieil ami, pas d'adresse, pas de nom, rien du tout. Oui, sûrement un de ses amis stupides. Peu importe, Patrick est ici à Lagos, je le sais. Il est ici. Un de mes amis m'avait dit qu'il l'avait vu dans une boîte de nuit ivre. Maman, tu ne peux pas commencer à croire tout ce qu'on te raconte à propos de lui. Des grâces. Puis j'ai été à Lagos et je crois à ce qu'il m'a dit. Arrête. Patrick ne réussira pas à me tuer. Ali, non. S'il te plaît. Maman! Tu as aimé? Oh oui, et c'était vraiment délicieux. Merci beaucoup. Oh, ravi que ça te plaise. Mais attends, comment ne pas aimer ça? Ah non, attends d'abord, hein, assieds-toi. Pourquoi tu es pressé comme ça? Merci. Je me disais, tu peux commencer genre des services culinaires. Ne gaspille pas ton talent. Oh, non. PJ ne pense même pas à ça. Je ne saurais cuisiner à quantité commerciale. J'aime juste rendre les gens autour de moi heureux, c'est tout. C'est tout. Tu sais quoi? Faisons un marché. Ok. Épouse-moi. Et rends-moi rêve avec cette belle cousine tous les jours de ma vie, oh, tous non, les jours. Oh non, PJ, arrête. Ah non, arrête, c'est sérieux, sérieux, c'est vraiment sérieux. Mais comment au bureau, tu as toujours tendance à ne pas avoir une attitude un peu amicale? Je suis désolée. J'essaie de rester concentrée à mon travail et ne penser à rien d'autre. Oh. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. À moins que je parvienne à me rapprocher de toi, malgré toute ton attitude là. Je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un t'a raconté quelque chose? Non. Non, ce n'est pas ça. Je dis juste. Oh, PJ, tu vois, BST est une si petite entreprise, donc les nouvelles sur qui le vide. Je ne vais pas. Ce que j'essaie de faire maintenant, c'est me concentrer à mon travail, gagner mon argent et rester très loin des embrouilles. C'est bien. Qu'est-ce que c'est? Rien. Il est quelle heure déjà là? Il faut que je parte déjà. La nourriture était vraiment une merveille. Ok, dans ce cas, attends que j'aille prendre la clé de ma voiture pour aller t'aider. Non, tu n'as pas besoin de faire tout ça, j'ai déjà appelé un taxi. Tu l'as fait? Oui. Ok, que je débarrasse la table dans ce cas.
Jou, tu crois que je vais te laisser gagner aujourd'hui? Non. Allez, toi, récemment, j'ai remarqué une complicité entre toi et Patrick. Je sais juste d'être gentille envers lui. Ah ah, si je ne te connaissais pas assez, j'allais dire que tous les deux, vous avez déjà commencé à... Ok, ok, c'est bon, laisse-moi gagner et dégager d'ici. Oh, Dala. Quoi? Mais pourquoi es-tu comme ça? Mais qu'est-ce que je fais? Je ne peux sortir avec un collègue. En plus, il est nouveau. Ce nouveau collègue est beau. Il sent toujours bon. Il s'habille très bien, alors pourquoi ne pas sortir avec lui? Allez, Dala. Il est gentil et amical. Après tout, tu n'as jamais travaillé avec un jeune collègue gentil, amical et qui aime son travail? Ok, c'est bon, tu as raison. Il aime son travail. Mais si jamais il t'aborde, accepte-le sans hésiter. Prends ça. Et ça, et ça, je crois que je finis. Où est-ce que ce garçon pense qu'il va? Je vais au cinéma voir un film. Ce gars ferait mieux de dire la vérité, oh. Parce que je le trouve suspect. Mec, je te l'aurais dit directement si j'avais une petite amie. Je ne vais donc pas parler de ta nouvelle meuf, c'est ça? Tu sais que ce n'est pas vrai. Mais je ne fais que parler, oh. De toute façon, je vais aller voir un film avec Amanda. Eh bien, j'aime bien te voir comme ça, sinon c'est plus prudent. Mais tu vois ton instinct de girl, ah, je suis sûr qu'il agira toujours. Non, mon cher, je ne fais la cour à personne. Je vais au cinéma voir un film avec Amanda, qui est ma collègue. Eh bien, ça commence toujours comme ça, non? C'est toujours un film, et puisqu'il vient après, c'est toujours... Amanda! Mec, arrête, arrête! Tue-moi! Non, arrête mon petit histoire, arrête! C'est seulement pour aller voir un film. Ce n'est qu'un film. Et elle n'est qu'une collègue, et c'est tout. Toujours comme ça, après tu les aimes, après tu les abandonnes en brisant leur cœur. Mais sache que si tu essayes ça, je le jure devant Dieu, je ramènerai cette fille à la maison personnellement. Mon cher, il n'y a rien de tel, d'accord? Utilise toujours ton préservatif, hein. Tu peux entrer dans la pharmacie juste là en bas pendant que tu vas sortir. Tu es vraiment un idiot, toi. Oh, toi, là, PJ! PJ! Oh. J'aime la musique. Hey. Nathan, maintenant, tu es timide? Ne sois pas timide comme ça. C'est comme si tu ne sais pas comment marche les relations. Je voulais te remercier pour aujourd'hui. Pourquoi? C'est pas tout le jour qu'on tombe sur quelqu'un qui est prêt à écouter toutes nos histoires, même des bêtises. Tu me rends heureux. Viens là. Merci. Et pourquoi? Pour tout. Ce chief Ophéla m'en est venu pas me laisser tranquille. Il m'a dit qu'il veut m'épouser. Je crois que je dois transférer son compte à Effé. Je savais qu'il t'aimait. Rien qu'à la manière qu'il t'appelait à tout moment pour te poser des questions. Il a cherché partout au Nigeria et il n'a pas trouvé. Je ne me marierai pas à un homme qui a l'âge de mon père. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Dala, rappelle-toi, tu m'avais dit que si Patrick demandait de sortir avec moi, je dois accepter. C'est pour ça, c'est pour ça. Oh Seigneur, je me disais qu'il y avait quelque chose derrière ce sourire. Oh. Es-tu sérieuse? Oui. Allez, raconte. Mais je peur, Dala. À propos de quoi? Tu sais que nous travaillons dans le même bureau. Tu ne te comprends pas. C'est la première fois que tu entends parler de la romance du bureau. S'il te plaît, parle-moi de ça. Chérie, attends un peu. Quoi de neuf, non? Je suis là, non? Je suis là, comment est-ce que vous pouvez me permettre de faire ce genre de choses devant moi? Mais qu'est-ce qu'il y a avec toi comme ça, mon cher? Attends, laisse-moi dire quelque chose à propos de ce gars. Attends, je suis pas ivre. Emeka. Bien. Emeka. Le nom PJ est un surnom. Parce que c'était un homme un peu célèbre. Est-ce que j'ai parlé de quand deux filles se sont battues pour lui? Oh mon Dieu. Ça, ce n'est pas vrai. Arrête de mentir. Aujourd'hui, j'ai perdu un meilleur ami.
Salut, PJ. Oui, je veux bien, c'est juste... c'est l'imprimante. Et depuis un moment, ça n'arrive pas à bien fonctionner. Et ça me dérange un peu depuis un moment. Et tu sais, quand l'imprimante, les machines ne fonctionnent pas. Il n'y a même pas moyen de travailler ici. Calme-toi, je voulais juste savoir si tu as encore du boulot à faire aujourd'hui. Appelle les comptables et dis-lui que tu vas livrer ses documents demain et il sera ravi. Ouais, merci. Une chose de plus. Je sais qu'Amanda et toi, tous les deux maintenant, vous... Ok, c'est bon, tu ne déranges pas. J'espère juste que tu n'es pas là pour manger et ensuite partir. Mais non, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas là pour ça en tout cas. Elle est vraiment cool. Je l'aime vraiment. Elle est véritablement une très bonne personne. Et elle fait de moi une meilleure personne. As-tu fini? Quoi? Pourvu que tu t'installes définitivement à Abuja. Parce que des fois, je n'arrive pas à te cerner. As-tu fini? Non, mais tu veux dire quoi par là? Genre, tu penses que je ne suis pas ici? Ok, si tu l'aimes réellement, tu dois chercher à te stabiliser. Je ne veux pas qu'elle puisse se retrouver dans une situation où elle est déjà tombée amoureuse de toi et la police commence à te traquer partout à Abuja. Non, arrête. Parce que là, tu commences à vraiment avoir des idées sur moi. Parce que je n'arrive pas à admettre que toutes ces habits chers que tu portes appartiennent à ton ami. Je pense que tu les avais achetés avec l'argent que tu avais volé à l'entreprise où tu travaillais avant d'arriver ici. Dis-moi, es-tu clean? Il paraîtrait que le propriétaire de cette entreprise viendra nous visiter demain. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont dit? Ben, je sais pas trop, il paraîtrait qu'ils viendront voir BST et acheter tous ses parts et intégrer un nouveau staff. Hein? Donc ils vont tous nous virer? Je ne sais pas. Je ferai mieux de faire circuler mon CV. En ce qui me concerne, je ne suivrai pas cette spéculation. J'attendrai qu'ils viennent. Tu vas attendre? J'attendrai. Es-tu sérieuse? Oui, je suis sérieuse. Et si cela était une rumeur? Ah, quant à moi, je vais déjà commencer à gêner et prier. Mais tout ça n'a pas même vraiment pas de sens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, non? Attendez, est-ce que quelqu'un a entendu un truc concernant les investisseurs? Non, j'ai rien entendu de tout ça. Moi non plus. Ah, Laïdi ne sait que raconter des ragots. Je ne pense pas que ce soit une rumeur. Laïdi ne nous dirait jamais quelque chose de très important si ça ne l'était. Je crois que c'est vrai. Bright? Ouais. Bright? Comme si tu le connaissais. Comme si tu le connaissais bien. Lui qui ne sait que propager des fausses nouvelles. Ce gars, toute sa vie, c'est du mensonge. Merde. Bonjour, ici. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci. C'est bon. Merci, monsieur. Bien, voici notre département logistique. Oh. Voici madame Linda et Dozier et Amanda. C'est la directrice de notre groupe à Abuja. Oh. Oh. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour à vous. Soyez la bienvenue. Oh, merci infiniment. Les gars, la salle est déjà prête. Okay, donc, c'est on peut déjà aller commencer. J'ai arrangé la salle. Qu'est-ce que tu fais ici? Ma sœur, s'il te plaît. Pas ici. S'il te plaît. Bien, je n'avais aucune idée qu'il était le directeur de notre groupe partenarial. C'est bon, monsieur. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Je suis sûr que M. PJ, ici présent, avait ses raisons pour ne pas vous parler de qui il est réellement. D'accord. Vous savez... Laissez-moi vous poser une question. Dites-moi, s'il vous plaît, à combien revient le salaire d'un assistant? Juste 50 000 naira. Quoi? Excusez-le, monsieur, s'il vous plaît. $50,000? Dis-moi un peu ce que tu fais ici. Est-ce que c'est papa et toi qui as fait que je travaille ici à Crespi? Je suis venu ici pour une petite évaluation. Parce que le groupe Parted est propriétaire de l'entreprise BST. Depuis quand? Depuis l'année passée. Cette entreprise avait fait faillite. Ils cherchaient quelqu'un pour l'acheter et nous l'avons fait. Eh bien, cher frère, si tu étais impliqué au fonctionnement du groupe Parted, tu allais les savoir. Non, attends. Tu es en train de me dire que j'ai travaillé pour notre entreprise depuis tous ces temps. Exactement. Mmh.
C'est vraiment une folie, ça. Ah. Tu trouves que c'est fou? Juste attends qu'on papa et maman les sauront. Attendez, Jean, l'ai-je bien entendu appeler la directrice sa sœur? Hey, tout a du sens maintenant. Je le disais. Alors, comment expliquer Omka? Mais c'est ça son nom. Son nom c'est Patrick Edozé Omka Junior. Ah, c'est pour ça qu'on l'appelle PJ. J'ai savais qu'il y avait quelque chose avec ces gars que je ne comprenais pas. Voilà pourquoi ses chaussures, ses montres, ses habits, ses parfums... Aïe, Seigneur, tout coûtait cher. Sais-tu que je lui ai déjà demandé à propos de ses habits? Il a dit qu'il a un ami qui vient de Cotonou qui lui ramène ça souvent pour des matériels. Hey! Sérieux, ce gars a menti complètement. Donc tu veux vraiment qu'il revienne? Mm-hmm. J'ai peur. Donnons-lui une seconde chance. Allô? Oui, Patrick, c'est ta mère. Le billet d'avion a été acheté pour toi. Oui, pour demain matin. Ton père et moi nous te tiendrons au courant. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te déranges comme ça? C'est quel genre de problème comme ça? Mec, je ne sais pas trop. Je ne veux pas entendre toutes ces blagues-là pour aller à Abuja. Maintenant, là, je pense que je vais juste rester ici à Lagos. Tu dois partir, oh. Retourner à Abuja, cela a toujours été ton rêve. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vois que si je retourne là-bas à Abuja, la famille n'aura rien d'autre à me dire que commencer encore à me critiquer. Et je suis vraiment fatigué d'entendre mon père me dire tout le temps que je suis rentré là-bas pour faire honte à la famille. Leur faire honte comment? Leur faire honte comment? Que veux-tu dire par là au juste? Tu es venu à Lagos et tu t'es complètement, je dirais, à zéro. Et là, tu t'es relevé. Alors quel genre de honte? Ta famille n'est peut-être pas simplement revenue à la réalité? Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est ce que ma sœur ira leur dire là-bas. Toi, avec tes inquiétudes, tu dois aller là-bas pour savoir ce qu'ils te diront d'abord. Tu ne peux pas rester ici pour décider de ce qui est bien ou de ce qui est mal. C'était quoi la réaction d'Amanda Sidon? Je ne sais pas, je pense qu'elle est encore sous le choc. Et est-ce qu'elle sait au moins que tu dois rentrer? Je ne sais pas. Je suis sorti, j'étais vraiment frustré, je suis allé prendre deux verres, je suis rentré directement à la maison. Donc, tu ne vas pas lui dire que tu vas aller à Abuja demain? Je ne sais pas. Hey. Amanda, salut. Salut. Je ne sais pas ce que tu penses de moi maintenant. C'était quoi tous ces semblants? Tu étais venu au bureau et tu agissais comme si tu étais pauvre. Tu es entré dans le jeu comme si tu étais l'un des nôtres. Je suis l'un de vous. Tu n'as jamais été l'un des nôtres, PJ. Amanda, désolé. Je ne voulais pas que tu le saches comme ça et je n'avais aucune intention d'être aussi mystérieux comme ça. PJ, mais quand est-ce que tu comptais me dire la vérité? Éventuellement, je voulais seulement essayer un peu d'arranger ma vie, voilà. Oh. S'il te plaît. PJ, quitte ma maison. Écoute. C'est demain que je quitte ici pour Abuja, s'il te plaît. Je veux que tu m'écoutes. Je te souhaite un bon voyage, PJ, s'il te plaît, pars.
Laisse-moi t'expliquer. Pidgey, s'il te plaît, quitte ma maison, pars. Pars. Amanda. Patrick. Papa. Ta mère et moi avons maintenant décidé sur ton problème. Et après avoir longuement pensé, nous avons décidé que te donner une toute dernière chance. Tu vas reprendre le boulot en tant que le directeur de notre groupe. Merci beaucoup, papa. Je promets que je ne veux plus jamais vous décevoir. Mais sinon, il n'y a qu'une seule condition. Oui, j'écoute. Quel que soit le projet ou l'investissement que tu vas choisir de mettre en œuvre, tu devras d'abord en parler avec Linda. Et tu n'auras pas un accès libre aux finances à moins que cela ne soit approuvé par elle. Es-tu d'accord avec ça? Je suis d'accord, papa. Très bien, ma femme. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Pas vraiment. Très bien. Je voulais dire ceci. Plus question de ramener les femmes dans cette maison. Oui, très bien. Si tu veux faire tes bêtises, fais-les hors de ma maison. Maman, je vous jure que je ne le ferai plus jamais. Es-tu sûre? Oui, à 100%. Il a une petite amie à Lagos. Pidgey? Une petite amie? Il est dans une relation très sérieuse. Bon, je travaille dessus. Hein? Très bien. Espérons que cette habitude de courir derrière le fils a pris sa fin. C'est fait, maman. Maman, le manager de l'entreprise m'a dit que pendant quelques mois qu'il travaillait là-bas chez eux. Il travaillait vraiment très dur. Il était dévoué. Mm-hmm. Wow! Il travaillait très sérieusement. Mm-hmm. Écoutez, quoi qu'il en soit, ce n'est pas le sujet de maintenant. La vérité est que je me suis vraiment occupé. Je n'ai demandé de l'aide à aucune personne là-bas à Lagos. Nous devons célébrer ça, maman. Oui, va appeler Vincent qu'il nous apporte le verre. Ainsi que le vin. Parce que nous devons fêter ça. Oui, maman. Mon grand frère. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas tout le jour qu'on voit son fils changer des comportements. Nous devons quand même célébrer cela. Et toi là, pousse là-bas, pousse, okay. Pousse là-bas. Pousse je là-bas, comprends pousse, pas. Pousse, tu ne peux pousse, pas t'asseoir, pousse, papa. Pousse. Allez, Je ne veux pas m'élever. C'est ici que j'appartiens. Nathan, tu es sérieux? Hey, je peux m'asseoir? Prends place. As-tu eu de ces nouvelles? As-tu essayé de l'appeler? J'ai essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais il ne décroche pas. Sûrement, c'est suite à la façon dont je l'avais traité la fois passée. Mais il savait que tu étais énervé. Et il ne peut pas te blâmer pour ça. N'importe qui agirait de la sorte. Je sais, je le sais bien. Mais Patrick était venu ici pour s'excuser et me raconter toute l'histoire. Je ne l'ai pas laissé parler. Raison de plus pour que tu puisses l'appeler. Je ne peux pas. Et je ne veux pas. Ça fait des jours que je n'ai pas de ces nouvelles. Je suis certaine qu'il s'est décidé de passer à autre chose et oublier mes stress. Peux-tu arrêter de parler de la sorte? Je veux dire, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Appelle-le, Dala, je souhaiterais démissionner. Que de l'appeler,
je ne saurais pas continuer à travailler dans l'entreprise BET tout en sachant que l'entreprise appartient à la famille des Patrick. Es-tu sérieuse avec ce que tu dis? Oui. C'est mauvais. Plus je pense à ça, plus je me dis que c'est la meilleure chose à faire. Laisse-moi démissionner et avoir la paix du cœur, s'il te plaît. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.